Bonjour, moi c'est Léa Gosselin, j'ai 19 ans, je passe en deuxième année de langues étrangères appliquées. Et je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, mais je sais que mon métier il sera en rapport avec ma passion. Et ma passion, c'est la moto. Donc cette passion, elle vient de quand j'étais toute petite, au centre de loisirs. Il y avait une activité avec des mini-motos. Et donc après cette semaine d'activité à mini-moto, et bah, j'ai su que plus tard, bah, j'aurai une moto. Et donc en lien avec le module Habitus, j'ai dû rédiger une fiche métier. Et donc cette fiche métier m'a permis de faire des recherches sur Internet sur les métiers de la moto autres que pilote et mécano. Et donc les deux métiers qui sont sortis un peu du lot, c'était ceux de journaliste essayiste moto. Donc c'est quelqu'un qui va tester les modèles de moto qui viennent de sortir et qui va rédiger des articles de presse qui vont être publiés après soit sur Internet, soit dans des revues spécialisées moto. Et donc le deuxième métier qui est un petit peu sorti du lot, c'était celui de conceptrice de road trip, moto toujours. Donc le but, c'est d'organiser des voyages en moto. En France ou alors à l'étranger pour plusieurs personnes, tout ça. Et donc le lien avec ma licence, ça va être pour le métier de journaliste essayiste, ça va être bah, le débouché du journalisme, tout simplement, à la fin de la licence. Et pour le métier de conceptrice de road trip, ça va être toute la dimension internationale. Donc voilà, si on organise des road trips hors territoire français ou Europe, il faudra parler d'autres langues que le français. Et donc voilà, dans tous les cas, que ce soit journaliste essayiste ou conceptrice de road trip, dans tous les cas, mon métier plus tard, il se passera dehors et il y aura des motos.